Allô, SF. Logan, mais qu'est-ce que tu faisais avec ce trophée-là? Oui. Je voulais être vraiment, vraiment sûr que tout était bien mis, que vous alliez pouvoir vous en occuper, tout ça, quoi. Et tu sais que normalement, on avait fait une zone de sécurité. Personne, je dis bien personne, ne devait le toucher avant qu'on vienne le chercher pour l'emmener sur l'autre map. Bon, je comprends pas trop. T'es sûr que tu le nettoyais? Tu faisais rien d'autre? Ah bah voyons, qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? C'est pas comme si cette course était extrêmement mal passée pour moi, que j'avais vraiment aucune chance de pouvoir gagner le trophée et que ma seule possibilité était de venir le voler avant tout que tout le monde vienne le chercher. Est-ce que ce sont des aveux? Des quoi? Hug, qu'en penses-tu? Est-ce que ce sont des aveux à tes yeux? Je pense qu'elle est suspecte et que nous devons enquêter. Eh ben c'est quoi? Pour te garder à l'œil, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous accompagner pour le commentaire de cette vidéo, comme ça au moins on t'a sous les yeux, puis on verra, on réglera ça après, t'inquiète pas, ça se réglera quand il faut, comme il faut, ne t'inquiète pas. Bonjour à tous, c'est Hog, je suis en compagnie de Logan et Redlink. Et salut. Salut, ça va bien tranquille? Et on est tous les trois pour cette finale du Warthogun, incroyable Warthogun. Finale qu'on attend, attendu, et je pense que beaucoup de pilotes, surtout ceux qui y participent bizarrement, attendent, mais même les autres, pour espérer voir ceux qui les ont fait chier dans d'autres courses échouer, peut-être, en tout cas, oui, une finale qui s'annonce, on peut vous le dire, bien sympathique, on va pas se mentir. Ah bah, comme tout le Warthogun, j'ai envie de dire, la digne finale du Warthogun. C'est ça, c'est l'apothéose, comme on dit, c'est la finale comme on l'aime, donc ça va faire plaisir, et on va les remettre un peu dans le contexte de... ce que va donner la finale et les particularités peut-être de la finale. Oui, tout à fait, parce que... Vas-y, Hog. Pour cette finale, il y aura quelques particularités par rapport à la poule. Par exemple, les points sont bien sûr remis à zéro, du coup il faudra tout donner. C'est le concept. Oui, en gros tout se joue sur une course concrètement là. On oublie ce qui s'est passé avant, c'est tout ça. Tout le monde a la même chance de gagner. Ouais, c'est ça. Les poules étaient des grosses qualifications et c'est maintenant qu'il faut tout donner. Ensuite, la course sera plus longue, le circuit est un peu plus long et en plus il y aura 6 tours au lieu de 4. Et comme ça, il y aura de quoi faire. C'est ça. Oui. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est les grosses, en tout cas, grosses particularités, parce que le reste, il y a une ligne de départ, il y a une ligne d'arrivée, il y a des pilotes. C'est une course. On reste sur une base solide, c'est du solide. Donc voilà. Et je vais te laisser, Lolo, commencer à un petit peu remettre le nez dans... Voilà, pour rappeler aux gens un petit peu, même si on sait que vous l'avez tous suivi de manière assidue, donc on sait que vous êtes au courant. Mais au cas où, Lolo va commencer par vous rappeler donc les pilotes, enfin les équipes, les trois équipes qui ont été qualifiées sur la poule 1, du coup. Tout à fait. Alors du coup, pour la poule 1, nous avions eu les Devil Dragons, on avait eu l'équipe NSTV et la Monitor Force qui s'était qualifiée pour la finale. Et pour la poule 2 cette poule 2, on a eu la Fafa 68, la fameuse Fafa 68 qui a roulé sur la compétition, les Rigodrol et l'équipe des Golden Wings. C'est ça, ce sont nos 6 équipes d'affiche et maintenant ça va se jouer entre ces 6 équipes et donc 12 pilotes. Ce sera logiquement une course à 12 pilotes, sachant que là pour le coup avec Hog, personne du staff ou des organisateurs ne participeront, donc c'est vraiment, ça va se jouer entre les 12 pilotes et c'est tout.
Nous, on est juste là pour regarder. Et voilà. Et donc, se moquer s'il y a moyen. S'il y a moyen, on s'en occupera avec joie. C'est ça. Et donc, le trophée derrière nous sera en effet, comme on l'avait dit, en jeu pour cette première édition du Bartegrom. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur la mise en bouche. On va pouvoir passer à la présentation aux choses de la map. Sérieuses, et donc voilà, passer à la présentation de la map, parce que vous l'avez peut-être déjà vu dans l'intro. On s'est attaqué à un truc un peu particulier. C'est une map unique. Il y a un truc, donc bah, je pense qu'on va dire, on va pas les faire attendre plus longtemps, et attaquons-nous à la map. Et allez, c'est parti pour la présentation de la carte. Oui. Et nos chers aspirants champions commencent à côté de l'héliport avec directement un virage à 90 degrés sur la gauche. Pour l'instant, ça reste raisonnable. Normalement, il devrait pouvoir le gérer, ça. Sauf s'il go fond de droite et gauche comme moi. Là, il peut y avoir des complications. C'est problématique. C'est ça. Si, normalement, vous ne confondez pas la gauche à droite, tout devrait bien se passer. Et ensuite, on enchaîne sur un genre de S en relief. C'est pas sur du plat. Hein. C'est un peu comme les circuits de NASCAR où il faudra prendre le virage le plus rapidement possible sans venir taper les rochers. Ouais, sinon, ça sera regrettable pour beaucoup de personnes, surtout le pilote en question, à mon avis. C'est ça. Ensuite, petite plage avec un énorme saut. Alors là, normalement, on n'a pas de piège, hein. Il faut juste avoir une bonne réception. On avait eu des ratés, il y avait eu des pièges, mais les pièges ont été enlevés. Alors, on pense quand même à nos chers pilotes. Ensuite, on enchaîne sur une autre section rapide avec un grand virage en hauteur suivi d'une succession de virages assez légers. Pareil, là, il faudra prendre la meilleure trajectoire. Ouais, faut pas se manger les rochers parce que si tu te manges un rocher, même si c'est 10 cm du Warthog à toucher, ouais, ça le t'arrête Warthog, net. Ça, hein. Pas lui ça fait pas du bien. C'est ça. Et du coup, là, on arrive sur la route avec plusieurs choix de route. À voir qui va être le plus intelligent parce qu'on a des sauts qui nous permettent de couper un peu le virage, mais attention du coup à la chute. Là, du coup, il a dit plus intelligent tout de suite. Moi, je pense à des mecs où on va pouvoir. Non, mais il y a des choses qui vont se dire, ça va être intéressant. Et du coup, on arrive ensuite sur un goulet d'étranglement. C'est là qu'il va falloir un peu jouer des coudes pour pouvoir prendre l'avantage sur ses adversaires. Voilà, là, c'est vraiment. De toute façon, cette course, elle est quand même relativement technique au final, mine de rien. Ouais. Comparé à ce qu'on a pu voir, à part en jouet, mais c'était encore autre chose. C'était un autre genre de technique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ensuite, on passe devant la magnifique entrée du parc, qui est assez simple, mais toutefois assez belle. Hein, il ne faudra pas se laisser déconcentrer. Voilà, c'est ça. C'est que faut pas oublier qu'on a pris une map à thème. Et on est là pour faire la course, quand même, mine de rien. C'est ça. Et ensuite, bande reprise, grande ligne droite, on passe la grande porte de Jurassic Park pour arriver dans les enclos. Et je me rends compte qu'il n'y a que maintenant qu'on dit que c'est Jurassic Park, alors j'espère que vous l'aviez vu avant. S'ils l'ont vu dans l'intro avec la musique, s'ils n'ont pas compris, c'est vrai. On peut plus rien pour eux. C'est vrai. Et du coup, nos chers pilotes doivent naviguer entre les enclos, et attention, parce qu'on a une double voie avec un petit raccourci, assez piégeux le raccourci, on va avoir de belles chutes. Ouais. C'est vrai que je me souviens qu'on avait testé cette partie-là, et c'était tricky, comme on dit. Et tout le monde n'avait pas vu le raccourci en plus, donc... C'est vrai. Malgré le petit tour d'essai, tout le monde n'en s'est pas rendu compte et on a vu les pilotes essayer pendant la course et vous allez voir ce que ça va donner. Du coup ensuite il continue sorti des enclos, on arrive sur une route plutôt claire et une rivière à traverser, encore une fois avec un saut, à voir si les pilotes préféreront passer une route sécurisée dans l'eau ou tenter le saut pour aller plus vite. Ouais, ça je pense que ça c'est le saut, c'est qui tout double un peu. Ouais voilà, c'est ça, c'est tout ou rien, c'est un peu le concept. Et du coup, nous arrivons sur la dernière partie du circuit. C'est un peu les falaises avec la couveuse, il me semble ça, la couveuse aux dinosaures, avec une succession de petites bosses pour arriver sur l'arrivée qui est un grand saut. Voilà, on aime bien les sauts sur cette map, visiblement. Et, ouais, il y aura de quoi faire. Les pilotes un peu moins, probablement. On verra lesquels en particulier. Et ben, du coup, c'est bon pour cette map qui s'annonce grande, longue. Et assez éprouvante pour nos chers pilotes. Et pleine de rebondissements. LOL. C'est ça. Ah, MDR. PTDR. On s'amuse sur le message. Et bah, du coup, je vous laisse le mot de la fin et puis on va pouvoir passer au départ. Bah, je pense pas que. Ah bah, moi, je pense qu'on peut pas mieux faire à ce niveau-là. Je ne peux pas viser plus haut que Logan à tous les niveaux. Et bah, du coup, donc là, on peut passer la grille de départ. Tu n'arriveras pas à rebondir là-dessus. Que de rebondissements. Je pense qu'on peut passer à la grille de départ, vraiment, c'est même préférable. C'est préférable avant que j'en trouve un autre. Tout de suite, le départ. On
Et ils sont partis, vu sur Cyril Elson qui est parti premier de la qualification, il se fait écraser contre le mur. C'est le début. Un assassinat voilà. En groupe. Il doit être très content. Oh, le départ le plus pourri du monde. Hein. Oh. Vu extérieur, tout il se fait carotte. Et il repart dernier. Il a voulu prendre le plus serré possible. Ah bah, c'était très, très serré. Là, on a un verre qui vient de faire un 360. Oui. Si t'as vu. Elle commence bien cette course, dis donc. Et il y a 6 tours. Ah, c'est ça, là, ça s'est poussé. On voit que les pilotes n'ont aucune pitié. Hein. Ils sont là pour la victoire. Ah, clairement. Là, il y a la fin de sang. Là, ils ont soif de sang. C'est la finale. Voilà. Il y a vraiment la soif de victoire. Du coup, très bel envol devant de Horizon. Oh, là, tu as un petit verre là qui fait un petit tête à queue. Qui refait, ouais. Ouais. Pareil pour le rouge. STV. Ah, c'est Eternal, le rouge au fond c'est Eternal. D'accord, ok, les rouges sont les. D'accord, ok, c'est les. C'est voilà. Les et devant, du coup, là nous avons Black Earth sur la droite non. Qui utilise non. Le saut en lutte avec Horizon en violet. Ah, et derrière, oui. On a les deux Fafa 68. Donc les Fafa sont bien positionnés là pour le coup, ils sont deuxième ouais. Et troisième, c'est pas mal pour ouais. Eux. Ils sont motivés comme depuis toujours, hein. Ils ont ouais. Toujours été c'est très ça. À fond. Et du coup, on compte sur les autres pilotes hein, pour remonter pour l'équipe des rouges, les Rigodrol et des violets. Les Devil Dragons pour remonter et venir chercher les points parce que là la Fafa effectivement est dangereuse. Ah, l'ouverture du portail, la petite animation de la map qui fait très plaisir pour la petite mise en. Ça se suit de très près, on arrive dans les enclos. Est-ce que ça va tenter le raccourci? Oui, c'est vrai qu'on arrive au fameux raccourci qu'on a évoqué tout à l'heure. Maintenant, à voir qui va tenter, qui va pas tenter. Ah, il y en a eu un, c'est un. Ouais, c'est Golf Lyon, je crois. Ouais, je crois. Il y a un vert. Les deux gris qui n'ont pas compris. Ah, c'est pas facile pour tout le monde, visiblement. Ah, donc on a le replay justement de la Monitor Force. C'est 5-0-33 qui est actuellement 9ème. Ah oui, alors déjà. Ah oui, dans les palmiers, ça ne plie pas. C'est pas de l'herbe hein, si tu roules pas dessus. C'est ça. Et donc, déjà, il se fait carotte. Hein, il finit dernier à cause de l'arbre. Et puis là, ça va encore. Ah oui, alors là, oui, alors oui. Autant enfoncer le clou, d'accord, ok. Et là, ça veut être gourmand, mais ça vient taper le tronc d'arbre qui est là pour piéger les gourmands. Ah ouais, va falloir être motivé pour rattraper ça. Ouais. Bah, l'avantage, c'est qu'en 5 tours, oui. Un peu plus de 5 tours, il y a quand même moyen de faire des choses. Il y a un peu plus de temps que sur oui. Une course classique. Mais là, le vert, les têtes à queue, les verts font que des têtes ouais, à queue. C'est peut-être une technique de déstabilisation qu'ils ont mis au point. Détournement d'attention. C'est ça. Voilà, ça se suit pour l'instant. On voit un gris qui s'arrête. Attention, en tête, on a vu que la Fafa 68 a très bien géré son coup parce que maintenant c'est eux qui mènent la course. Eh bah, dis donc, ouais. Et les deux derrière, ouais, qui étaient à la base sur le peloton de tête, qui sont de 3ème et 4ème. On a vu les verts et les NSTV, c'est ça. NSTV, ouais. Ils se collent, j'ai l'impression qu'ils sont toujours un peu côte à côte, ils veulent rester en team double. Ils sont groupés. Mais là, effectivement, ouais, c'est les violets là qui sont venus, là, Devil Dragon, qui sont tous les deux là. Du coup, ça va certainement se jouer entre la Fafa 68 et Devil Dragon. Et on a Black Earth qui est un peu tout seul en train de leur mettre des petits bâtons dans ouais. Les roues. T'as l'impression qu'il est escorté par les deux violets, les Devil Dragon, t'as l'impression un peu. Alors que c'est pas du tout une escorte, hein, c'est pas du tout l'optique du truc. Oh, carrément. Ça tape là. Se bouscule au portillon, comme on dit. Là, on a les petits derniers, je sais pas si c'est le tout dernier qu'on a vu là. Oui, c'est série, je crois, qui est juste derrière le groupe de Golden tête. Wings. Golden Wings, pardon. C'est le Golden Wings. Ah mais oui, mais de toute façon, mais oui. On le voit là, 6ème place. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'avec le départ qu'il a eu, de toute façon... Oh, il esquivait l'arbre. Il va falloir rattraper. Ouais, là il y a du combat là. Oh, oh ça pas va, con, pas un, con. Un peu d'orpiste, mais qui finit dans les airs. Ça va, il rattrape ce héros. Parce que... Alors, il a quand même perdu du temps. Parce qu'il a vu que. Ouais, mais je pense qu'il en aurait perdu peut-être. Il est resté, ouais, il est resté 6ème, mais bon, autrement. Bah, ok. Ok. Smart guy. Mais il a une dent hein, contre les Devil Dragons parce que c'est un ouais, des deux début, lui a fait manger du pare-choc. Ouais. On avait vu ça. Bah, après, tous les autres ont suivi dans le rythme. Ils ont dit, ah bah oui, tant qu'à faire, si on peut en éliminer un. Hein. Ils étaient pas contre. Toutes les techniques sont bonnes. Et là, du coup, on a un Fafa 68 qui est un peu disparu derrière, qui se retrouve maintenant quatrième. Comme quoi, les positions changent assez souvent. Sur le peloton de tête, ça bouge assez régulièrement. Bah, je pense que ça se joue, entre autres, sur le fameux raccourci que certains tentent ou pas. Ouais. Les sauts aussi, les fameux sauts qu'on disait. Bah, justement, là, tu vois, là, sur le saut... On est à la moitié de la course, ouais. C'est vrai qu'il a perdu un peu de temps. Enfin, on sera à la moitié quand on passera, oui. On sera au quatrième. Donc, on est un tiers, au quatrième pour l'instant. Tout à fait. C'est ça. On a fait deux tours. Mais comme quoi les pour places bougent pas mal. Mais on voit Cyril qui est un peu coincé par un membre ça de la pas, ça se chamboule jamais à, pour l'instant de 10 places. C'est pas du simple double, mais ça bouge. Ça, ouais.
il y a des échanges. Bah là, justement, on avait vu qu'il y avait les deux, si j'ai bien vu, Fafa qui s'étaient rassemblés, si j'ai bien compris. Ah non, c'est, ouais, c'est juste que des fois, je confonds les couleurs, pardon, entre les Wings et les Fafa. Oh, faut pas se retourner. Oh, attention. Attention, Uri, il a café, il part sur toute la queue. Et c'est un Black énervé qui arrive derrière. Il la veut, hein. Ouais, je sais pas lequel des Rico Drôle est derrière, mais il a faim. D'accord. Ouais, c'est Black Earth qui est toujours devant. Il a les crocs. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah, il a très très faim. Il prend serré. Ouais. Et il le lâche pas, tu sens bien qu'il est en mode s'il pouvait prendre l'aspiration. Ouais, c'est clair. Oula, il a. Ouais, il a tenté de. Bah, ça va, il a réussi. Ça va se jouer sur raccourci là, à mon avis. Ouais. C'est fort probable. Ah bah c'est ça, voilà, c'est ça. Les deux se ramassent. Black gagne du terrain. Oh, et c'est... Oh, et l'intérieur, oh, c'est bon, c'est pas ça bon. Se pousse. Ah, il y a un triple, il y a un... C'est pas un duel du coup, mais un triple combat là. Une truelle. C'est une truelle. Oh, attention. Ouf. Oh là là, ce retourné incroyable. Oula. La maîtrise du Warthog est totale. Et donc en fait, Black au final qui allait passer premier repasse quatrième. Ah, ça bouge tout le temps, hein, c'est... Ouais. C'est ça. Bah, bien joué au Devil Dragon. Et Devil Dragon qui est en force. Qui assassine encore. Oh, et ça vient pousser. Ah, la punition. Ce qui fait qu'on a pour l'instant les deux Devil en, le pilote en de la premier et deuxième du coup. Enfin, quoi que là avec c'est Black, ça. C'est chaud pour dire le deuxième. C'est hein. Deuxième ex-aequo. C'est deuxième ennemi quoi. C'est ouais. C'est ça. Ah là, ça se pousse. Et vous voyez le Devil Dragon qui veut essayer de l'incruster contre le mur et qui arrive du coup. Il s'est dit, je vais le refaire. Hein. Ah là là. Tant qu'à faire. Ah, ça a un peu vendu sa race là, hein, mais c'est comme ça qu'on vient chercher là, la victoire. Il s'est dit, j'ai mis la dignité au vestiaire, on n'en a pas besoin. Et du coup, donc là, on a dépassé par contre en effet la moitié de la course. Ouais. On est à la quatrième tour pour l'instant. Et comme quoi, avant on avait la fin 68 qui dominait, maintenant c'est les Devil Dragon qui sont les deux premiers. Ouais, ça bouge bien, et avec en effet Fafa en 3ème et toujours Black 4ème. Ouais. Donc là, il y a 3 équipes un peu qui se bataillent sur le peloton de tête. Les pilotes sont à fond, hein. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Ah, tu le sens. Attention, hein. Black, oh là, quand c'est le cut. Oh, ça a percuté là. Ah non. Non, c'est pas passé. Et voilà, la punition. On voit que Black, il a le goût du risque. Ouais, dès qu'il voit une occasion, je suis pas là pour enfiler des perles, j'y vais à fond. Et il a pas tort, ça nous donne du joli spectacle et peut-être qu'à un moment ça va passer. Pour l'instant, malheureusement pour Black. Ouais, bon. Des fois c'est que dalle c'est de rien, passer. Ouais. Hein. Je suis d'accord que ça rien du tout. Mais après, le problème c'est que vu que les deux se battent derrière, Devil Dragon s'envole devant. Ça, ouais ça profite à cette équipe là, ouais, c'est vrai. Et on a un petit groupe juste derrière avec Reaper 68, un membre de la NSTV et Seri Elson. Ça fait que les NSTV ont été séparés, ils étaient comme des inséparables depuis le début. Ouais. Puis là, le pro de verre il est tout seul dans son coin. Ouais, c'est la balade de santé là pour Lisanne et son collègue là pour l'instant. Ouais, mais on a vu tout à l'heure que tu te loupes, potentiellement tu peux perdre pas mal de temps. Donc, c'est vrai. Ah bah là, ouais, ça tente le saut pour aller plus vite, mais attention la réception, loin. Ça va. Non, ça pour l'instant, ils sont pas si tranquilles que ça. Non, il a joué sécure, mais regarde là, il y a une tête à queue. Ça peut aller les vite, deux, hein. Les ça deux. Peut aller vite, non, ça va. Et non. Encore Black qui nous fait des figures derrière. Elle dit, ce saut est très compliqué à cause du rocher un peu en avant. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est ça qui était pas bien. Ils ont beaucoup d'avance maintenant. Ouais, là ça va être compliqué pour les deux derniers tours maintenant. Dans les deux derniers tours pour le coup. Là il y a moins de marge. C'est heureusement ça. Que le circuit est relativement grand. Oui. Mais. Ils ont pas d'autre choix d'espérer que que l'un des deux se plante. Quoi. Ouais. Ah bah là, pour rattraper, c'est pas uniquement du skill, faut qu'il y ait un plantage quelque part. Par rapport aux Devils, je suis d'accord que là, vu qu'ils sont les deux devant, c'est à eux de faire une erreur. Bon, après, on a vu que Black a bien utilisé les raccourcis et tout, il va quand même plus vite que ses adversaires. C'est vrai. Là, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, c'est Golfion passe 4ème, 3ème, 4ème, 3ème avec Black, enfin, ils font des chassés croisés. Ils échangent régulièrement. C'est ça, et du coup devant. Il y a de l'échangisme sur AOSF, on est ouvert d'esprit, vous le voyez. Et là, vous voyez, Golfion, il a vu que Black utilisait le raccourci, du coup, il s'est dit, moi, je vais faire pareil, mais du coup, l'écart est déjà creusé. Ouais. C'est vrai que rien qu'en un seul raccourci, il a pris quand même une avance. On le voit là d'ailleurs. Là, avec cet angle-là, on voit qu'il y a deux secondes à peu près d'avance, je dirais. C'est assez confortable quoi. Et Seri qui derrière a réussi à se séparer de la NSTV et du deuxième membre de la FAFA 68, Reaper. Qui va pouvoir remonter peut-être tranquillement. Et tandis que c'est la parade. Mais faut aller vite là. Ouais. Et je crois que même ils se battent entre eux. Ils se bataillent aussi entre eux. Ils se bataillent entre eux, mais. Ah, décidément. Les pipes, c'est pas leur délire.
le concept d'équipe qui disparaît. Urizen qui a un problème avec les couleurs, visiblement. Il faut qu'il fasse gaffe parce que si jamais il s'emmerde ouais, trop. Ça peut jouer en défaveur. Bah regarde. Regarde-moi ça. Ah, et voilà, trop gourmand. Ouais, et là ça ah, peut. Perdu. Ouais, ah, Black, il a reniflé le filon. Il sait qu'il y a un truc à jouer. Black qui peut venir aller chercher des gros points, même si malheureusement Eternal a l'air d'être très bon. Voilà. Oh, il s'est planté, Urizen, et du coup Black il peut passer. Donc c'est ouais, d'accord, c'est Urizen qui donc s'est planté et qui permet à Black de passer second pour le moment. Sur le dernier tour. Oui. Donc Black, déjà au dernier tour. C'est vrai que c'est déjà le dernier tour. Et Black doit être très content de ne pas avoir lâché l'affaire depuis le début. Ouais, parce que, clairement. Et on a vu que derrière, Série a dépassé Golfion. Golfion en totale perte de rythme, certainement des erreurs. Ah oui. Ah oui, là pour le coup, la Golfion qui avait commencé limite premier pour le coup. Ouais. C'est malheureux pour lui, mais ouais. C'est un peu la dégringolade. Peut-être que justement il a du mal à prendre les raccourcis et du coup si tout le monde réussit à en prendre régulièrement et que lui soit ne les a pas vus, soit en tout cas ne se sent pas de les prendre parce qu'on a vu que certains étaient quand même pas mal compliqués, Bah, malheureusement ils perdent de l'avance comme ça au fur et à mesure. Ça, oui, ça se joue principalement là-dessus de toute façon, ouais. C'est les erreurs des autres. Devant Draconil qui prend pas le raccourci, finalement Black c'est un peu le seul à prendre le raccourci et il permet de gratter un peu de temps à chaque fois. Il rattrape, c'est Draconil du coup qui est devant, il le rattrape. Ouais, c'est Draconil qui est devant. Il le rattrape, ça va se jouer. Est-ce là, on arrive sur les derniers virages. Le temps, là. Ouais. Est-ce qu'il peut rattraper le premier? Et pareil, c'est, du coup, c'est Série qui est quatrième, c'est ça, si ouais, je c'est pas ça, Série quatrième et on a les deux Fafa 5 et 6. Ouais, Série qui veut, du coup, si c'est sa troisième place, on a, chacun veut la place de celui de devant, hein, façon, potentiellement. À part parce qu'après, Draco, vu que ça se joue au point, ouais, Draco, la Fafa 68 est encore stress, en bonne position. Ouais, tout c'est à vrai, fait. C'est vrai. Oui, parce qu'on rappelle que c'est les équipes qui sont gagnantes et pas les pilotes. Ah oui, c'est ça. C'est le total des deux pilotes cumulés qui... Oh, c'est qui ça? Oh, attention, Golfion papa, qui prend un peu large. Ouais. Pareil pour Reaper. En fait. Allez, trois d'affilée, et, pareil, on fait un peu et là, c'est la dernière ligne droite. Enfin, ligne droite. Ouais, les derniers mètres, c'est ça, dernier morceau. Black Heart qui est juste derrière. Oh, il est derrière. Oh, il est il peut renifler, il peut savoir ce qu'il a mangé ce midi. ça... Il prend la bosse doucement pour éviter de se retourner. Attention. Le saut. Et donc c'est Draconid. Et c'est la victoire pour Draconid. Bien joué. Black Heart juste derrière. Urizen en troisième. Série Elson ensuite. La Fafa qui a été proche, séparée par un NSTV. Golfion 68. En 5ème. Et donc ouais, NSTV au milieu. Et NSTV qui a réussi à doubler Reaper. Donc les... C'est 1480. Ouais, donc les... au final, les Fafa sont assez homogènes aussi dans leur performance individuelle par rapport à l'équipe. Quoi. Ils sont assez proches l'un de l'autre. Sur le final, pareil pour NSTV. On voit Mister Lucas qui arrive, l'autre membre NSTV qui était avec son camarade au début du circuit. Et ça continue de se battre sur la fin. Et Didac, il n'en a pas tous les enfants. Didac contre Eternal. Ça vient chercher les petits points et c'est Didac qui va finir de 9ème devant Eternal. C'est ça, ouais, les deux derniers. Et du coup, malheureusement, lanterne rouge, voire noire de cette course, c'est Monitor Force qui fait un peu voiture à balai. Ouais, voilà, il referme un petit peu la course pour finir donc 11ème et 12ème. Donc, finale assez mouvementée. Ouais, il y avait de quoi dire. Hein. Donc là, on voit qu'il y a 2-3 et. Battu surtout sur les 4 premières. Ouais, voilà, bah là, on le voit au classement final, en tout cas par pilote, parce qu'on passera après par équipe. Mais par pilote, qu'en effet. Bon, bah oui, en effet, les Devil Dragons s'en sont très bien sortis. Black a réussi à sauver les pots cassés pour son équipe, pour les Rigodrôles. Et ça. Après, c'est un peu du. C'est un peu mélangé. Il y a. Un peu de NSTV, un peu Fafa et tout. Fafa 68 NSTV, ouais, tout à fait. C'est. En fait, le. Et je suis curieux de savoir qui va se départager entre les Golden Wings et Fafa 68 et NSTV, puisqu'on voit qu'ils sont tous les trois au milieu en fait, qui se partagent. Bah, de toute façon, ça va être l'occasion de cette finale de voir ça aussi, parce qu'on est là pour voir quelle équipe gagne. Mais comme c'est la finale, on va faire ça bien. On va quand même vous faire ça bien. Et donc, on vous donne rendez-vous sur un lieu que vous connaissez peut-être déjà, certainement. On a peut-être déjà vu. Voilà. Et puis, on va faire ça bien. On va faire monter un peu la pression et on va donc découvrir qui sont les premiers de cette grande finale dans 2 secondes. C'est parti pour la cérémonie. Avant la remise des prix, je tenais à vous remercier tous, participants, pilotes, forgerons, spectateurs, vraiment vous remercier tous parce que le Warthogone ça a été une grande aventure qui a commencé pendant le confinement avec un événement étalé sur 2 jours et ensuite 5 semaines de vidéos, donc vraiment un gros merci à tous. Oui, c'est le mot qui peut ressortir plus facilement
Là, de but en blanc, c'est merci à vous et on espère que comme nous, vous avez passé un bon moment. A priori, parce que... A priori, on pense que c'est voilà, le cas. Quand on a retrouvé des rushs aussi, il y a eu de la rigolade, il y a eu des bons moments. Donc voilà, on est content que vous ayez joué le jeu. Merci en effet aux spectateurs d'avoir suivi de manière assidue tous les épisodes et d'avoir encouragé leurs équipes préférées. Et, Ou de s'être moqué. Ou de s'être moqué. Il y a eu un peu de ça aussi. Et maintenant, voilà, maintenant qu'on a passé sur les remerciements... de toutes celles et ceux qui auront permis à ces Warthogs d'exister, on peut passer à ce pourquoi on est là, sur cette map. C'est ça. À savoir la remise des prix et donc l'annonce des gagnants dans l'ordre. On va commencer par les derniers parce que bon, faut laisser un petit peu monter la pression hein, pour oui. Jusqu'au premier. Donc Lolo, bah, je vais te laisser d'ores et déjà donner, même si il ne démérite pas, premiers, mais ouais, c'est ça, les derniers les finalistes. Les derniers des finalistes. Attends, juste avant que Lolo dise, on va commencer par les derniers, mais avant les derniers, nous avons les derniers des derniers, c'est Logan à notre chère voiture balai. Ah, ça c'est... Je tiens ah, à remercier notre meilleure voiture balai. La voiture poubelle, moi j'ai toujours dit, c'est la voiture qui ramasse. Alors moi, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait la voiture poubelle, j'ai fait l'équipe tampon. Faut se calmer au bout d'un moment. Merci d'avoir bouché les trous du Warthogone. Bah écoute, ça m'a fait très plaisir. Voilà. J'espère coup, je te laisse la parole. Je sais plus qui était avec moi. Ghost Francer, non ? Ghost Francer, oui, c'est ça, c'est Ghost Francer, je suis désolé. Voilà. Amour sur toi, je pense que t'es la personne la plus méritante de tout le Warthogone. Amour, gros cœur sur toi, sincèrement. Parce que Logan. On aurait dû le mettre dans les finalistes pour le principe. Vous le saurez la prochaine fois, venez plutôt avec un compagnon, sinon vous taperez Logan. En tout bien, tout honneur, attention. Ne prenez pas les mots, hein. Super. Comme il faut pas. Bon, allez, maintenant qu'on a passé la pommade, si on veut en tout cas. Passons donc, comme je disais, au dernier, maintenant qu'on sait quel est le rôle de Logan au sein du Warthogone. Je vous emmerde. Donc vas-y, je te laisse annoncer en effet et les donc, derniers. Et donc, les derniers des premiers, nous avons donc l'équipe Monitor Force. Donc bravo à vous quand même. Bravo quand même à vous, ouais. C'était Sam033 et le droit de rager. C'est ça, tout à c'est fait. Qui ont eu un... Ce Warthogone, ils vont réussir à avoir au moins la prouesse d'être arrivés en finale. Voilà. Tout à fait. Un grand bravo. Et qui ont eu un beau parcours au final sur le. Et en plus, ils sont doublement méritants parce qu'ils avaient fait en ils plus ont fait deux des maps c'est sur, vrai. Sur les. Par Spio Map. C'est ça. Mais comme quoi, ceux qui pensaient que les gens qui avaient forgé seraient avantagés, ben non, parce que la finale, ça remet tout à zéro et la preuve, ils sont derniers. Mais bon, encore une fois, sans eux, on n'aurait pas eu la moitié des maps, donc un grand merci. Ils méritent. Et bravo quand même pour cette sixième place sur la totalité des poules au final, d'une certaine tout manière. Tout à fait. Oui. Allez, maintenant passons aux avant-derniers qui, eux, au niveau des points, ont été un peu plus larges par rapport au Winter Force. Une jolie avant-dernière place, et donc sans plus attendre, on les annonce, c'est donc les NSTV qui terminent, donc avant-dernier, donc bien joué à eux pour cette place plus que correcte. NSTV, Mister Lucas et Emile, 480, bien joué. Un beau parcours. Très très beau parcours, c'est ça, autant sur la finale où ils étaient quand même à la base en plus assez bien positionnés sur ce circuit-là. Tout à fait. Et au final, je me rappelle qu'ils ont fait de belles performances sur le long de leur poule respective, donc voilà, c'est... C'était une belle performance de leur part et maintenant on va arriver très bientôt au podium. Théoriquement, voilà, vous êtes normalement bon en maths, vous savez qu'il y a 6 équipes à départager, on vient d'en annoncer 2, le podium il y en a 3. Normalement, on est censé donner les 4e avant d'arriver au podium. Cependant, de surcroît, néanmoins, toutefois, il y a eu comme qui dirait un petit retournement de situation qui n'arrive pas souvent puisque faut quand même avoir le même nombre de points pour ça, mais il y a eu une égalité sur la 3e marche du podium, ce qui fait qu'on n'a pas non seulement une équipe qui arrivera 3e, mais deux équipes qui arriveront. Donc on n'a pas deux pilotes 3e, c'est ça, mais 4. Exactement. Et alors là, rien ne va plus. Et maintenant, vous vous demandez qui sont ces fameuses équipes qui sont arrivées donc à 3e ex aequo du coup. On va commencer, je sais pas si on doit commencer par une en particulier. Ils sont à égalité. On les prend comme c'est quoi, on a qu'à les dire en même temps. Ah oui. Toi, tu dis et moi, je dis eux. D'accord. Et attention, pour la 3e place ex aequo, félicitations à l'équipe La Golden Wings. Donc, en gros, l'équipe orange et l'équipe jaune qui terminent sur la même marche de podium, puisqu'ils sont eux deux arrivés à la fois, l'un et l'autre, à 24 points au total.
Donc voilà, il fallait que ça arrive, il fallait que ça. Il n'y a qu'à l'OSF, on va être comme ça. C'est ça. Fallait qu'il y ait une couille quelque part. Alors après, nous, on est pour le partage sur l'OSF et ça fait plus de grands gagnants, entre guillemets. Oui. Donc c'est d'autant S'ils plus. S'ils sont contents, nous, on est contents. Hein. C'est ça. On va voir qu'il y a un peu de mal à rentrer à 4 hein, sur. Voilà, bah, c'était podium. Pas prévu. Voilà, hein, le podium n'a pas été voilà, construit pour 4 personnes, surtout pas de leur poids. Et donc, du coup, juste pour. Rappeler, c'était donc Reaper 68 et Golf Lion 68 pour la Fafa 68. C'est ça. Et chez les Golden Wings, on avait Seri Elson et Didact 219. Didact qui aura eu, je pense qu'on peut d'ores et déjà lui attribuer la mention honorable, je pense, le moment fort de ce Wartogron dans cette séquence sur le pont. Le pont suspendu qui était quand même. On te décerne la médaille du pont. C'est ça. Tu t'en fais ce que tu veux, mais tu as la médaille du pont et de très très loin. En tout cas, voilà, une très jolie troisième marche du podium, bien étoffée, hein, du coup, visuellement. Il y a de quoi faire. Et puis, on va enfin arriver sur le fait de départager les deuxièmes. Les deux équipes et là, on sent que la tension est à son comble. Ça frétille dans le public. on n'en peut plus, donc on va pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps. Sachant que, on le dit à l'avance, autant entre les troisièmes, donc je dis bien les troisièmes dans le sens des deux équipes arrivées troisièmes, et les seconds, la différence de points était pas énorme. Autant les premiers se sont envolés vers la victoire. Voilà. Ah bah là, les premiers ont pas fait semblant. Ils ont été bons, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà, c'est ça, chaud patate. Ils ont vendu leur as pour les gros points. Et donc bah voilà, sans plus attendre, Hug, je te laisse annoncer les donc deuxièmes, ce qui laissera entendre les premiers, mais au moins déjà les deuxièmes, je te laisse dire qui que c'est. Eh bien les heureux seconds de ce Wartogron première édition sont l'équipe des Rigodrol avec Eternal TV et Black Air. Et bravo, un gros bravo à eux parce qu'ils ont eu des. Je me rappelle dans leur pool à eux, ils ont eu des moments difficiles. Et même durant cette course d'ailleurs, parce qu'au final, sans jeter la pierre à Susano, enfin Eternal, il est arrivé quasiment pas dernier, mais c'est Black Air qui a quand même sauvé l'équipe, faut le dire. À Carrie, l'équipe pendant cette finale en tout cas, pense d'ailleurs visiblement ils sont pas d'accord pour savoir qui va faire. Et autant dire Blackheart qui PL Eternal, on verra pas ça tous les jours. Ouais, c'est pas faux. Il en a profité et je pense que ça l'a rendu heureux. Donc si vous êtes plus ou moins le sens de la déduction ne vous est pas inconnu, théoriquement vous connaissez déjà les premiers, mais on va le dire à trois dans quelques instants, histoire de que ce soit dit officiellement, qu'on l'ait dit tous ensemble. Donc pour cette première édition, on en vient juste après parce que pour l'instant rien n'est prévu, mais en tout cas pour cette édition des Wartogron, les premiers de cette grande finale et donc les grands gagnants sont donc les Devil Dragons. Et donc un énorme bravo à eux pour leur très belle performance, puisque je le disais, les Rigodrol sont donc arrivés deuxième avec 29 points et les Devil Dragons sont arrivés premiers avec 44 points, donc l'avance était considérable. Mais comme l'a dit Hog, il faut avouer que on n'a pas d'omelette sans casser des œufs, mais eux ils en ont cassé des œufs. Ils en ont cassé un certain nombre. Mais bon, ça leur a réussi, écoutez, donc bien joué à eux. Bien très, joué très donc à Urizen et à Draconide. C'est ça, pour leur première place partagée sur cette plus grande place du podium. Donc voilà, on a notre tête, enfin nos têtes d'affiche sur ce podium final. Mais voilà, donc une belle brochette de pilotes et de beaux gosses sur cette finale qui va être rejoint quand même par les derniers, entre guillemets, mais qui sont quand même très bien positionnés par rapport à cette finale. Tout le monde sur le podium quand même. Voilà. Ah, c'est beau l'esprit à l'OSF. Et donc maintenant, tout ce qu'on peut dire, c'est voilà, un dernier bravo à tous les pilotes. Et là, on peut même reparler de même tous les pilotes de toutes les poules, mais en particulier forcément nos finalistes. Bien joué à eux. Et maintenant, voilà, on en arrive un peu comme quand on fait une écriture de synthèse ou une dissertation. Il y a la conclusion un peu ouverte. C'est-à-dire que il y a deux secondes, je disais première édition des Wartogron. Voilà, on n'est pas en train de vous teaser une deuxième édition. On vous dit juste qu'on sait que cette édition-là vous a plu. Autant les pilotes que les spectateurs. On sait que pendant, à la fin des deux journées de championnat, il y a eu des demandes de gens. En gros, les gens disaient bon, édition 2, c'est quand ça serait où? Donc, on sait qu'il y a de la demande. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça peut vous tenter, vous donner envie.
autant en tant que spectateur que participant. Dans tous les cas, faut pas oublier que, comme on le répète à chaque fois, ce genre de choses, on peut le faire que avec vous et c'est que ça. Grâce à vous. Donc, si ça vous plaît et si vous voulez continuer, ben. Oh, c'est bon, je chiale, putain! Putain, mais à l'OCF, c'est ça, quoi, si on fait les choses pour vous, avec vous, putain, c'est ça une chaîne communautaire. Donc, écoutez les gens, de l'amour sur vous, quoi qu'il arrive, qu'il y ait une deuxième édition, pas de Warthogrand, en tout cas, celle-là était bien comme il faut. Ouais, clairement. Il y avait tout ce qu'on pouvait espérer pour un événement pareil. Et en effet, on verra où le vent nous portera, et peut-être que ce trophée sera remis en jeu durant dans les mois qui viennent, édition. Une prochaine édition. C'est pas impossible. Il y a l'offre et la demande, donc maintenant on attend la demande et on verra ce qu'on vous fera. En tout cas, voilà, une dernière fois, merci à tout le monde, merci à Hug aussi, grand forcément, merci. Pour ton appui, ton soutien, ton organisation et bref, et ton pour travail. Tout ce que tu as pu faire, voilà, sur les Warthogrand. Et merci encore une fois, je disais aux spectateurs qui nous ont suivis, aux pilotes, à Logan merci d'avoir à été la voiture poubelle tout du long. Bah, d'avoir été là. Et donc on peut terminer sur des adieux déchirants, je pense maintenant. Bon allez les gens, plus sérieusement, plein de béco, plein d'amour, gros bisous, encore une fois Hug aussi, oui. Et on se dit certainement à bientôt. Ça c'est l'avenir que nous dira. À l'eau prochaine. A plus plus. A plus plus, et bien sûr, à l'eau prochaine, comme le dirait le poète, et je terminerai même sur un... Oh